Exercice. Faire la correspondance entre les repères des formes et les solutions proposées dans la liste. Donc, pour l'assemblage, entre 1 et 2, la forme 1, est-ce qu'il est, il faut compléter le tableau. Donc, pour 1, c'est un tenon. 2, mortaise. 3, ici, languette. 4, rainure. 5, queue d'aronde mâle. 6, queue d'aronde femelle. Pour les ouvertures, pour 1, toujours voilà les solutions, ici, et remplir le tableau de 1 jusqu'à 8. Pour 1, c'est un chanfrein. 2, signé. 3, rainure. 4, fente. 5, trou. 6, lumière. 7, trou blanc. 8, alésage. Forme cylindrique, ésuelle. Toujours, je viens de donner des solutions aléatoires et c'est à vous de compléter le tableau ici. Pour 1, c'est un chanfrein. 2, filetage. 3, gorge. 4, épaulement. 5, portée. 6, embase. 7, trou. 8, alésage. 9, mets plat. Voilà 9 ici. 10, rainure. 11, chanfrein. 12, cannelure. Pièce de forme. Voilà la pièce en 3D avec les formes qui sont repérées par 1 jusqu'à 10. Et compléter le tableau. Donc pour 1, nervure. 2, rainure. 3, congé. 4, arrondi. 5, alésage. 6, chambrage. 7, évidement. 8, trou. 9, bossage. 10, semelle. Et à la fin des trous divers, voilà les solutions aléatoires. Et compléter le tableau. 1, trou borne. 2, trou fraisé. 3, trou de centrage. 4, trou chanfreiné. 5, trou lamé. 6, trou chambré. Application. Complétez le tableau ci-dessous des formes de 1 à 24. Donc, pour simplifier, on va écrire ici les noms des formes, puis on va compléter le tableau. Pour 1, c'est une fente. Voilà un fente. 2, en paille. 3, trou fraisé. 5, trou lamé, ou bien lamage. 5, chanfrein. 4, lamage. 5, chanfrein. 6, nervure. 7, automatiquement bossage. 8, rainure en V. 9, c'est dégagement. 10, arrondi. 11, lumière. 12, trou blanc. 13, taraudage. 14, trou borne. 15, évidement. 16, signé. 17, rainure en T. 18, queue d'aronde femelle. 19, rainure. 20, queue d'aronde mâle. 21, rainure. 22, languette. 23, tenon. 24, congé. Donc voilà le tableau à compléter. Donc ici, je viens de compléter ça tout simplement, comme ça, pour gagner du temps. Réducteur de vitesse, c'est ça l'application. Si vous regardez réducteur de vitesse, on a des carters qui permettent de protéger le mécanisme. Et le réducteur, il est composé par deux roues dentées, la roue verte et la roue bleue. Le guidage en rotation de la roue verte ou bien l'arbre vert, il est réalisé par des roulements. De même chose pour l'arbre de sortie, il est réalisé par deux roulements. Les pièces en rouge, ce sont des vis de fixation de couvercle. Ça y est. Voilà le dessin d'ensemble de ce petit mécanisme de réducteur de vitesse. Et dans un tableau, donnez le nom et la fonction des éléments suivants. 2, 4, 2. D'après ça, 2, c'est un circlips. 4, 4, 4, 4, c'est un joint à deux lèvres. 5, roulement, baissé. 8, clavette. 10, circlips.
11, roulement baissé. 12, rodenté. 13, goupille. 17, joint à deux lèvres. 22, vis. H. Pour les formes A, B, C, 1, C, 2, C, 3 et ainsi de suite, on va voir ça ici. Pour 1, couvercle, c'est pour protéger le mécanisme. 2, c'est clips pour A, permet d'éliminer la translation de la bague intérieure du roulement 5, du 5. 4, joint à deux lèvres, réaliser l'étanchéité dynamique entre 3 et 1. 5, roulement baissé, faciliter le guidage en rotation de 3 par rapport à 7. Vis AC pour 6, réaliser l'assemblage de 1 par rapport à 7. 8, clavette parallèle, éliminer la rotation. 10, circlipse pour arbre, éliminer la translation. 11, roulement baissé, faciliter le guidage en rotation. 12, rodenté, transmettre la puissance entre deux arbres parallèles rapprochés. 13, goupille cylindrique, positionner 15 par rapport à 7. Joint à deux lèvres pour l'élément 17 qui réalise l'étanchéité dynamique. 18, entre-doise, permet d'éliminer la translation. 21, joint plat, réalise l'étanchéité statique. 22, bouchon de vidange, Wolvis. Pour A, forme A, arrondi, permet de supprimer une arête vif. B, bossage, permet de limiter la surface isolée. C1, cannelure, facilite le guidage en translation et permet d'éliminer la rotation. C2, chanfrein, supprimer une arête vif et faciliter l'émanchement de 4 par rapport à 3. C3, rainure, logement d'une clavette parallèle pour éliminer la rotation. C4, trou taraudé, utilisé avec un filetage afin de réaliser un assemblage. C5, congé, raccordé, deux surfaces formant un angle rentrant. E1, épaulement, réaliser une surface d'appui. E2, évidemment, diminuer le poids pour réduire une surface d'appui. S, semelle, réaliser une surface d'appui ou de positionnement. Donc, merci de votre attention. Le cours complet en PDF sur l'adresse en bas.